Alors, on ouvre, voilà pour sur My Time of Portia, hein, l'aspect numéro 2. Première partie, on avait construit la. On avait vu un peu comment on jouait, hein, le prologue, les bases et construire la hache et la pioche. Ah, on va. On va faire quoi? On va. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Alors, qu'est-ce que par contre, ça c'est quoi? Ça c'est pas mal ça. On peut le mettre comme ça. Ça bug ça. Ah non, ça bug pas, c'est pas. Ok. Projection. On va le mettre dehors ça. Ça aussi, on va le mettre dehors. Voilà. Ça c'est quoi? Panneau de la maison. Ah oui, on peut améliorer la maison. Pour gagner voilà, des avantages. En mettant des meubles et tout ça. Alors allons-y, l'examen. Tiens, il y a un truc. Ok. Ah oui, on a dit qu'on allait mettre ça dehors. On peut pas le mettre dehors. Ah. Ça, on peut le mettre dehors. Non plus. D'accord, ok. Ah si, là, on peut le mettre un à l'intérieur, d'accord, ok. Pas dehors. On va le mettre là. Voilà. Pendule, là, on l'a mis là. Et ça, on peut le mettre à l'intérieur. On peut le mettre à l'intérieur, voilà. Après, c'est juste pour décorer. On va le foutre dans un coin. Bon, on va me dire que c'est beau pour décorer, on peut le mettre là. Voilà. Allez. C'est pas mal. Des pendules et tout. Bon, déjà, ça fait de la place. Oh, il y a un monsieur à parler là. J'ai gagné un point d'expérience, hein, c'est juste ça. Vous avez remarqué qu'on gagne de l'expérience à chaque fois qu'on ramasse ces trucs. Hein. Ça, c'est important. Le point d'examen contre H basique. Ah oui, je crois que j'avais un plan. Alors. Alors, ça c'est mon anniversaire, c'est le 2 jours. On est là, on est le 3ème jour. Ok, jour de pêche, rappelez-vous. Ok, donc la bonne photo. Ok, c'est bien. Calendrier, la carte. La carte, alors, école, centre de recherche. Ok, vous êtes là, table ronde, tout ça. On peut les visiter un petit peu. Social, ah, on augmente les trucs et donc ils vont nous gagner des cadeaux. On va avoir des manuels. Voilà, on doit construire, voilà, on construit un fourneau de pierre. Donc il faut un tabouret en pierre.
pour construire un tabouret en pierre. On va aller voir ce que c'est. Mission. Ah, faut les montrer à Presley. Presley, c'est celui-là. Allons-y. La poissue. Voilà, il faut construire maintenant un fourneau en pierre. Ok. Ah, si on a des trucs comme ça, on peut. Et il faut quoi? Des badges. Il faut des badges de pêche pour gagner ça. Vous allez, en fait, il faut jouer à l'événement de la pêche, qui est, je crois, vers le 15. Et pour gagner avec les événements pêche, ce que vous pêchez, bah, vous pouvez gagner des échanger avec ça. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Regardez, calendrier. Là, on gagne des badges. Ok. Alors là, vous avez des points. Point de compétence, j'en ai un. Est-ce qu'on le met dans combattre? Voilà. Récolter ou social? Alors, moi, au début, j'avais fait social parce que j'avais fait ça, tu vois, relation. Mais en fait, le plus important, c'est ça. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà, tu mets. Voilà. On va avoir plus facilement du stuff. Alors. On peut faire des cadeaux aussi aux animaux, aux gens, n'importe. Hein. Alors, on a dit un fourneau en pierre.
Voilà, donc j'ai mis le plan. Ah, d'accord, ok. Donc, pour faire nos assemblages, il faut un tabouret en pierre et 10 bois. Alors. Inventaire. Ah, d'accord, ok. Déplacer l'objet. Ok, oh, on a compris. Voilà. On va faire ça. Ça. Alors, ça, des objets, on peut le mettre là, voilà. Et ça, surtout, on le met là. Et donc, on va faire ça. Ça, c'est quoi? Et ah bon, on le met là aussi. Voilà. Ça, on le met là, on s'en fout. Pas besoin. Ça, pas besoin, on le met là. Voilà, donc ça, 10 bois. Donc ça c'est bon, il ne manque plus qu'un tabouret en pierre. Alors là, le tabouret en pierre, il te dit qu'il faut. Bah c'est bon, il faut 10 pierres pour le faire. Donc là j'en ai 13, donc je peux. Donc voilà, il est fabriqué et il est dans mon inventaire en bas. Et le sélectionne. Et je fais X dessus. Si ça veut bien arrêter de bloquer. Et voilà. J'ai fabriqué mon fourneau en pierre. Je peux le récupérer. Et le mettre bah, où je veux. À l'extérieur ou dedans. Mais bon. Principalement, c'est mieux de le mettre dedans. Voilà. On le met ici à côté. Voilà. Et ça. On l'enlève, ça fait pas beau. On peut agrandir, vous avez vu, forcel, ça veut dire qu'on peut agrandir. $1500 pour en fait, voilà. Après, vous pouvez agrandir énorme hein, votre baraque. Hein. Alors, fabriquer un fourneau en pierre, ça c'est fait, deuxième examen. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Non, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça c'est fait. Alors. Deuxième action, deuxième examen de construction, c'est quoi? Ok. C'est quoi le deuxième examen? Bon. Parfois je connais pas trop, mais bon. On va quand même le prendre avec nous, on sait jamais. Est-ce que... Je
sais pas du tout ce qu'il faut faire avec. Ah, il y a encore un truc à aller faire là-bas. Je vois un point d'interrogation qui apparaît sur ma carte. Ah, voilà. Donc le maire. Faut sortir, faut aller voir le maire. Il y a le maire. Eh, reviens, 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 on va pas dormir. Alors, atelier chez Biloute. C'est bon. Faut y aller avant une certaine heure parce que sinon ça est fermé. Hein. Vous avez intérêt à vous manier le cul. Pour augmenter en XP et en fric, c'est faire les commandes. Regarde celle qui fait pas mal d'XP, là elle a fait 229 de fric et 40 d'XP. 40 d'XP. Ils font toutes 40 d'XP. Et 153 de fric. Et plus 10 en relation. Et lui, plus 12 en relation. Une barre de bronze, pas encore. Une plaque de cuivre, oulala. Petit panier en bois, ça c'est bon. Ah d'accord. Ok. Autant pour moi, j'en ai déjà pris une. J'ai pris déjà une truc, donc c'est bon. Construire le pont, poser tête de pont, poser le cœur de pont. Comment on a une table en pierre. On va faire la table en pierre. Et donc vous avez remarqué, on gagne des points à force de parler avec les gens.
Où est-ce qu'on va marquer? On va mettre ça. On va mettre ça au mur. On va mettre ça au mur? Permis de construction. Ah, si on peut. Voilà. Voilà. Ok. Et donc là, on a. Regardez, fortitude. Permis de construction, fortitude max plus 20. Ça, c'est bien. La fortitude, c'est pas mal. C'est votre SP en bas. Dormir. Bah, je crois que vu l'heure, il est quelle heure? 1h32 du matin. Alors, bon, il est matin. Qu'est-ce qu'on fait? Construire le pont. Alors, beaucoup de construction, beaucoup de farming, hein, ce jeu. Alors, du cuivre. Ouais. Et tout ça ici, je crois que c'est pour décorer ton appartement. Tu décores ton appartement avec ça. Ah non, c'est un hôtel, je m'en rappelle plus. Je vais vérifier sur chaque chambre, je crois qu'il y a peut-être des coffres. Lance-pierre, j'ai gagné.
Un bracelet magnétique. Oh là là, bien, il y a des trucs. Comme quoi, hein, faut bien fouiller. Raté. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour avoir des caisses à cultiver là. Mais en fait il faut des certains trucs, ça c'est pas mal aussi. Pour cultiver des plantes, il faudra trouver des disques dans des disques de données. Le disque de données vous donne un grande caisse à cultiver. Bon, vous pourrez la construire après aussi, hein. Vous ne pouvez pas s'emmerder à acheter des trucs comme ça. Mais on pourra tour d'irrigation, parquet à irrigation, automatiser les trucs. Ça va être génial. Elle vend des fleurs. Chacun son truc. Hein. Voilà, on peut acheter des fleurs si vous voulez. Ou... Voilà. Ensuite, Pinky, on l'a eu. Un piège, je sais pas quoi là. Le panneau d'activité. Là, c'est des fours de haute qualité. Thank you.
lui il vend des meubles. Alors, non, pas coffre en bois, si tu veux les construire, hein, ça sert à rien de le claquer le fric dedans. Mais tu peux avoir des trucs pour améliorer la fortitude max. Tu vois, bah ça coûte cher, c'est une chaise en bois. Vie max plus 15. Voilà. Alors, le plus important c'est la fortitude. Des trucs pour apprendre à construire aussi des trucs. Et voilà, ça c'est pas mal. Lui, t'as des... ils vendent du marché, tu vois. Ah, ils vendent ici du cuivre. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que je crois que j'avais affaire à... J'ai une table en pierre et j'ai du cuivre à faire. Et ils vendent des vêtements. Ça peut être pas mal aussi. En défense plus 10. 15. La fortitude, regardez bien la fortitude. La défense, oui, mais bon, surtout la fortitude. Donc on va dire, la G685, je pourrais pas l'acheter les deux. Mais ça et ça, c'est pas mal ça. Pantalon de travail, veste de travail. On va avoir plus de sous. Est-ce qu'on peut vendre des trucs? J'ai rien à vendre, mais est-ce que je crois qu'on peut vendre des trucs? Exprès. Pas de coffre par hasard. Je visite un peu, hein. La guilde des cochons volants. Allez. C'est bon, c'est un bon jeu, ça. Hein. La guilde des cochons volants. Avec de l'argent ou de la commande, on peut leur demander d'aller chercher euh, 50 fourrures en fait abîmées. Ils vont mettre 2 jours. C'est ça. Ouais, c'est ça, 2 jours. Je pense que c'est 2 jours. C'est cher ça. Pas la peine de s'emmerder.
8h, 18h. Alors, par contre, le temps part à une vitesse méga folle. Alors, méga folle de chez méga folle. C'est ça qui est un peu embêtant dans ce jeu. Alors, je ne suis pas encore trouvé dans les paramètres. Peut-être que dans les paramètres, nous avons un truc qui nous permettrait d'aller un peu moins vite. Mais bon, pour l'instant, ça va hyper vite. Pas la maison. Un cochon. Vous avez vu, il faut monter l'amitié avec certaines personnes pour oh là, je vais voir un truc bien là. Ceci est le restaurant. Ouais, t'acceptes tout, hein. Et tu parles avec tout le monde, c'est sympa. T'essayes de parler avec tout le monde tous les jours, comme ça. C'est ce que des jeux ici. Ça va. Et là, avec tes points que t'as gagnés, tes badges de chevalier, tu peux acheter des trucs. Ok. J'ai 12 badges de chevalier. Ok. Je peux acheter ça, par exemple, pour le 200 badges. Putain. Il faut jouer, hein. Là c'est quoi, c'est des...
Voilà, 110. Bah c'est bien. Et donc là j'ai 21 badges. Je peux acheter. Oh là, la bouffe quoi en fait. Bon, faut jouer beaucoup, hein. Faut aimer jouer. Hein. Pour mon truc. Il est beau le restaurant, hein. Ouais, je trouve aussi. On peut manger aussi si on veut. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Alors, c'est pas mal si on veut ça. C'est pour augmenter l'expérience. Donc, en gros, tu viens manger ça. J'ai mangé pour manger. Et vu l'heure. Un autre truc aussi. Vous n'êtes pas obligé de. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? De dormir. D'aller dormir d'office. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ben, vous allez tomber dans les pommes à mou. Donc il n'y a pas besoin de se faire chier à aller dormir. Partir de chercher les dur. Ouais, c'est la mieux. Ouais, ils me disent, il est tard, tu devrais te reposer. Et en fait, si tu le fais pas, il va te faire tomber dans les pommes à un moment. Et tu vas devoir, en fait... Mission. Commande, table en pierre, fabrication de monde. Ouais, ok, un laquelle je suis heureux, ok. Et tu vois, t'as plein de petites caisses à cultiver. Ok. Ouais. Donc les points d'XP en premier vous le mettez là-dedans hein, dans récolter hein. Tout ce que vous avez comme points d'XP vous le mettez là avec les trucs pour la fertilité tout bordel. Le social c'est bien mais pff. Ah ça aussi là ça a des importances. As de la guilde de commerce, tous les prochains points ça sera là-dedans. Et aussi un point dans ça, l'expérience. Ouais, j'aurais dû faire ça d'ailleurs. J'aurais dû. Oh, mais c'est con.
On peut pas. Est-ce qu'on peut? Non, je peux pas. Bon. J'aurais déjà dû mettre 3 points là-dedans. D'ailleurs, ça en premier, je pense, l'XP. Donc, tu voyais, si vous commencez, faites gaffe bien, regardez les colonnes. J'ai mis ça en fait, mais il aurait fallu que je mette la compétence XP là. Alors, ouais, c'est clair et net. L'expérience obtenue augmente de 7%. Donc, ouais, c'est ça. Alors, on va faire un truc. Gagner du cuivre comment moi? Tant mieux. Bon, allez. Un autre truc aussi, je sais pas si vous avez vu l'expérience, vous commencez à farmer votre XP à côté d'un arbre. Là, vous voyez, elle est tombée là. Là, hop, là directement, s'il y a ça, ça veut dire que c'est dodo. Dodo, direct. Elle vous oblige à aller faire dodo. Ouais, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Alors là, est-ce que. Voilà, donc ça c'est réparé. Est-ce que j'ai dans l'inventaire des trucs pour. Là c'est à prendre. Ça c'est des ressources. Je vais mettre la nourriture ça. Alors, une grand-mère, elle est par les bois. J'ai l'air intelligent avec mon. Ça se sentait, hein. Ça se sentait qu'il y avait quelque chose là. Hein. Ouais, c'est clair et net, hein. Thank you.
McDonald's, vendeur burger. Ouais, quasiment, ouais. Par contre, ils vendent du bétail. Donc, si vous avez l'argent et un enclos, vous pouvez acheter du bétail tout de suite. Ça, c'est pas mal, ça. Et puis, c'est pas encore trop cher, là. 655 pièces. Vous pouvez être élevé dans la grange. Mais il faut une grange, hein. Grange, grange, grange. Donc, il faut une grange. Et si tant que vous n'avez pas de grange, ben, pff, ça sert à rien. Donc, c'est pas un enclos, c'est une grange qu'il faut. Alors ma maison elle est là, il faut aller par là. Ouais. Comment on fait pour utiliser le... Je m'entraîne au tir. Rien fait, je sais, mais bon. C'est pas grave, le sac il pose à terre et on verra aller le rechercher sur un truc. Faut aller poser ce qu'il y a posé là-bas. Alors, agriculture. C'est quoi ça? Récompense. Création. On peut créer une barre de cuivre en point. Okay.
pour créer ça en fait. Allez, tête de pont en bois, il faudra des tuyaux en cuivre. Donc il faudra un broyeur. Et là, une scie personnelle. Scie personnelle, fournaise, ça c'est bon. Broyeur, scie personnelle, c'est là. Broyeur. Donc broyeur d'abord, ok, pièce ancienne. Ok. Et broyeuse. Et si personnel, il faut quoi? Là, il faut le broyeur. De toute façon, il faut le broyeur d'office. Il faut le broyeur. Il faut. Balle fois 2, barre de cuivre fois 3. Barre de cuivre fois 3. Allez, en train de fabriquer les 3 barres de cuivre, ok. Ça c'est fait, on l'a fait. Des pierres. Non, c'est pas ça. Ok, tab en pierre. Rousseau. Allez hop. Fil de cuivre, ok. Là, quatre briques en pierre, à rigueur. Et là, deux scies personnelles. La commande pour Rousseau est. On les rend où les commandes déjà? Alors, je me rappelle plus du tout, on échange la, les cadeaux. À mon avis, il faut le rendre à quelqu'un. Rousseau, il était où je... Hop.
Par contre, le plan, c'est pas trop ça. La carte, c'est pas trop ça. Hein. Alors, on fait un petit zoom. Ah, s'il est là, Rousseau. Voilà, ok. Ok, on y arrive quand même. Hein. Alors, on voit la clinique. Heureusement que n'a plus un plan. C'est mieux d'avoir un plan. Alors, regardez le plan et de. Bien garder l'heure dans le jeu. Elle s'appelle Phyllis, pas si Phyllis. Elle est infirmière. Putain. Alors ensuite. École de Portia. École de Portia. Allez hop. La santé, le coffre. Hein. Si on rentre avant qu'il rentre, parce que ça c'est méchant, regardez. C'est ouvert. C'est rare. C'est fermé.
cochu. Alors, ensuite. Non, c'est pas ça. On vient sur la grande place. Et on va. Ok. Il y aura demain. Et n'oublions pas qu'il y a ça à construire le pont là. Il y a peut-être un bonhomme à parler là-bas. C'est quoi ? Il y a un endroit de pêche aussi. Ça c'est pour dire que c'est là qu'on peut pêcher. Ok. Que je disais, c'est surtout mettre un point là-dedans. Parce que comme ça, vous aurez plus d'XP. Aurait fallu dès le début d'ailleurs. Mais jouer, c'est pas grave. De dos. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, défense plus 6, attaque plus 10, défense plus 5, attaque plus 8. Ouais. Donc là, c'est défense, défense, okay, et attaque.
l'attaque. C'est bon, ça suffit. Pièce ancienne. Faire dodo. Alors, on va foncer voir le pont là-bas à gauche. Prendre le bus. Il va pas très vite d'ailleurs, vous pouvez remarquer. Parfois on va plus vite à pied que pour le bus. Okay. Je vais mettre canne à pêche.
là-bas, mais comment on peut passer par le côté? Bête, toute mignonne. Il y a un méchant qui lui tape dessus. Faire l'XP, c'est pas mal ça. Tapez là-dedans, regardez l'XP à gauche. Comme vous restez sur le même endroit, bah vous faites de l'XP. Bon, c'est un peu chiant, mais pour faire l'XP, quand on veut en faire beaucoup, avoir le maximum que je peux faire. Hein. Comme on peut pour avoir l'XP hein. Plus 2007 quand même hein. Pas mal hein. Il y en a encore là-bas. Bon, on va rester. Level up. Tous les points en même temps. Hein. De dire ouf, ça explose la tête. Là, j'ai ramassé de l'ex... Oh, de la bouse de vache. Et ça c'est quoi? C'est l'arrêt de bus. D'accord, ok. Ah oui, des pommes là-bas. C'est un arbre à pommes. Faut que j'ai tapé pour avoir une pomme. Là il
Là, on n'a plus de fortitude, là, il te le dit. Dans le caca. Alors, soit on mange. Parce qu'en fait. Donc, soit on mange pour reprendre la fortitude. Infortitude. Nul. C'est pas grand chose hein, pour monter la fortitude. C'est pas la pomme qui va te donner, regarde, 5 de fortitude. La pomme, oui. Ça dépend quelle heure il est le jeu. Oui, 17h, on s'en fout. Regardez, ça c'est un piège. Bon, on pourra le fabriquer. Quand on pourra le fabriquer, on fera un piège. Ce sera un piège. Une paire de cuivre, et deux cocons sauvages. D'accord. Bah, c'est pareil. Planche en bois, si. Il faut une scie, j'ai pas de scie. Donc t'as le temps avant de faire une scie, c'est sûr et certain. Ruine abandonnée en plus, la terre, donc c'est pas. Canne à pêche, cocon sauvage, bois et barre de cuivre. Barre de cuivre, je peux. Cocon sauvage, peut-être aussi. Pièce ancienne.
reliques et les machines de l'ancien monde. Donc pareil, ça tu vas attendre. Là on va tout de suite à ce qu'on n'a pas pu faire le jour. En gros, tu n'as pas intérêt à partir à rater certains événements. Ben non, là, il n'y a plus rien. Ah si, centre de recherche, elle t'a dit d'aller. Ok. Voilà, 8h. Je me lève trop tôt. Alors. Moteur sophistiqué. Ok. Ok. Pierre de pouvoir concentré. Apprends à fabriquer l'objet mannequin. Alors, atelier. Ok. Mais pour ça, il faut des disques de données. Et les disques de données, on les a que dans en fouillant. Quoi. On est pas dans la merde. Ah, c'est quoi ça? Récupérer. Rien. Pour offrir des cadeaux aux gens aussi. Donc voilà, ruine abandonnée hein. C'est pas n'importe quel endroit. Endroit où tu veux creuser à la du réticule, puis
sur X pour creuser. Ok. Appuie sur LT pour utiliser le détecteur de reliques. Qu'un disque, hein. C'est pas génial, je vais pas faire un long feu avec ça. 12 mètres.
ça y est, deux disques. 9 mètres. Du peuple, hein. Voilà, pareil, un loupier parce que j'ai dit, parce que j'ai fait la grosse connerie au début, c'est de mettre l'XP que vous gagnez là-dessus. Voilà. Très important, vous mettez l'XP là-dessus. Y aller jusqu'à ce que vous ayez plus de fortitude. Hein. Un peu chiant ça. Alors, inventaire. Voilà. C'est toujours mieux. Ça va être chaud là, beaucoup de filles, on va choisir. Alors là y'a rien, là y'a rien. Pfff, y'a que dalle dedans, ouais. Faudrait décoller. Et ça aussi, parfois vous creusez, vous avez des salles abandonnées, y'a rien dedans. C'est honteux. Honteux. Ouais. C'est n'importe quoi ça, enfin, ce jeu. Après, ce jeu, c'est un jeu RPG. Thank you.
aussi que bientôt je vais pouvoir être automatiquement envoyé. Voilà, tu vois, je l'ai plus. Et dans l'inventaire, je crois que j'ai rien pour en prendre. Non, j'ai rien à manger pour en prendre. Mais déjà, c'est pas mal. Hein. Porter à sa maison. Non. Ah, X. Ouais. On retourne à l'entrée des Wins. Donc c'est bon. Tant mieux. Voilà. Oh, il m'a pris un disque. Putain, l'enculé. Il m'a pris un disque. Deux heures du matin, oui, il est tard. Hein. Et j'ai raté la conférence du maire de 19h. En fin de temps, si tu veux vraiment tout faire en même temps, il faut vraiment limite avoir un réveil. Hein.
C'est quoi ça? Ah. C'est à bon regarder, on va dire. Lame de cuivre et brique en pierre. Combien de lames de cuivre? Il en faut une lame de cuivre. Non. Non. Il faut deux lames de cuivre. Okay. Pour les deux lames de cuivre, il faut 4 barres.
ça c'est ce qu'on trouve et qu'on pourra. Ok. Et si on a disque donné, on lui donne aussi le disque donné. Bon, mon cul. Cher en disque. Et là, on avait dit que si on avait des disques, on pouvait apprendre planche. Ratoli pour âme. Ouais. Il faut avoir les disques sur soi. J'ai les mis dans la boîte. Et là, c'est quoi? Mannequin d'entraînement. Faut que je fabrique des caisses encore. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc de pêche. Pour aller. Faire quoi pour s'inscrire? Ouais, enfin, en même temps, je m'en fous. Ah, faut aller faire ma bricole. Vendre ces cochonneries là, eh bien, ça sert à quelque chose. Mais... Ouais, fin... Max plus 4, vous voyez, il coûte 1000. Et là, la table plus 6, elle coûte moins cher. Si on fait ami-ami avec lui, je pense que... C'est quand même beau un décor. Bon, on est sur Stylix, d'accord, mais quand même. Sur Xbox One, c'était beau aussi. On peut courir en appuyant sur le joystick gauche. Thank you.
Je voulais avoir un coco sauvage, ça tombe bien. En fait, c'est les arbres plus clairs. Je sais pas si vous avez vu des arbres foncés et des arbres plus clairs. Alors, faut prendre les arbres plus clairs. Il y a des arbres à pommes aussi. Super. Alors. Toujours se concentrer. Hein. On continue sur l'XP. Je pique un canard pour voir. On sait jamais, hein. Peut-être que j'ai le droit de piquer le canard. Hein. Le mettre chez moi, hein. On va voir. Mon Dieu. You
peut être là, d'accord, ok. On peut accéder. On n'a pas besoin. Je sais pas si tu l'as vu, mais on n'a pas besoin d'aller dans un dans tous les coffres. On a besoin que d'aller dans un coffre. Bon, on va arrêter là. On est à combien d'heures de stream là? Pour ce let's play numéro 2, on va arrêter là un petit peu. On va changer, ouais, 2h20 quand même. On va changer un peu de jeu. Hein. Allez, à plus dans l'Airbus, les gars. Bonne journée, bon courage à ceux qui bossent. A plus les petits cailloux. Vous avez remarqué, hein, j'ai une note sauvegarde où je tente le jeu 151h21. Je vous montrerai niveau 52. Avec tant de fric. Hein. Donc dans l'esprit numéro 3, je vous montrerai un petit peu. Si on, je pense qu'on reviendrait sur l'autre sauvegarde. Allez, sur ce, ciao.